Ce n'est pas une confrontation entre les différentes époques, mais il s'agissait plutôt d'insérer l'unique siècle qui manquait ici au sein de la Galerie Borghese, le musée de la sculpture par excellence. Nous montrons, comme s'il s'agissait d'une scène de théâtre, la différence entre la sculpture antique jusqu'au XVIIIe siècle, donc la sculpture du passé, et la sculpture moderne.